payais jamais. Avoir mes petits copains qui viennent chanter avec moi ce soir, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc ça me touche beaucoup aussi, parce que venir chanter une chanson chacun, c'est pas quelque chose de forcément gratifiant, exceptionnel pour eux aussi. Donc ils le font vraiment pour moi, c'est une preuve d'amitié, d'affection. Au Francopholie, c'est désormais une tradition. Pour rendre hommage à un artiste, on invite quelques-uns de ses collègues, plus jeunes ou de sa génération, et toute la joyeuse troupe fait un bœuf avec les succès de son chanteur. Évidemment, cela suppose un répertoire, une longévité, autrement dit, une vraie carrière. C'est le cas de Michel Delpech, par ailleurs l'une des plus belles voix romantiques de la chanson française, selon l'expression même de Pascal Obispo. C'était un des chanteurs préférés de ma mère. Et donc voilà, il y a des chansons qui ont marqué ma toute petite enfance. Quand on voit que des chansons traversent inéluctablement les époques et qu'elles font partie vraiment de la vie des gens, qu'elles les ont accompagnées à un moment et qu'ils en gardent le souvenir, ça c'est très puissant. Et on parlera des histoires du passé. C'est quelqu'un qui ne s'est pas pris pour une star, quoi. Il a toujours été... Il est resté très près des gens, quoi. Sa sincérité qui nous plaît, quoi. Avec la maturité et les épreuves, l'artiste et l'homme semblent devenus indissociables. C'est ainsi que Michel Delpech, grâce à ses chansons à la fois simples et intelligentes, n'est pas prêt de quitter le cœur de son public. Juste quelques notes, quelques accords, et c'est reparti. Il y a des chansons avec lesquelles on a toujours la même envie de flirter. Des amis comme Chamfort ou Obispo pour fêter un retour, après 6 ans de silence, loin des scènes, Michel Delpech revient avec un nouvel album et une tournée, pour un flirt avec ce public qui ne l'a pas oublié. Pour moi, ça va être des retrouvailles, c'est sûr. Puis je vais l'aborder très différemment, parce que quand l'eau a coulé sous les ponts comme ça, on vit ça d'une autre manière, sans doute plus sereine, plus heureuse. Je pourrais tout quitter, quitte à faire des monnaies pour un flirt. Je pourrais me damner pour un seul baiser volé, pour un flirt avec toi. Il fait ses chansons, et peut-être pour la 250e fois, je veux dire quand il chante Marianne était jolie ou je ne sais quoi, et ben, il est dans son truc, il se la chante pour lui, il éprouve le même plaisir, et ça, et ben, quand on le regarde, ben, finalement ça passe, et il nous transmet ce plaisir-là. Quoi. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Oh, ma pauvre Cécile. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort derrière moi. Il n'y a que des tubes qu'on écoutait quand on était petit. Même on le fait en onomatopée, quoi. C'est-à-dire les paroles viennent toutes seules alors qu'on n'a jamais appris la chanson. Ce sera bien, ce sera chouette. Et on parlera du passé chez l'Oreille. Un instant de bonheur, c'est bon à prendre. C'était bien, c'était chouette. C'était chouette. Ils n'ont pas fait les